C'est une victoire pour Airbnb face aux hôteliers français. La Cour de justice de l'Union européenne a estimé que la plateforme de location touristique était une entreprise de service de la société de l'information et qu'elle n'avait donc pas à se soumettre aux règles de la profession d'agent immobilier. C'était pourtant la demande de l'ATOP, l'Association pour un hébergement et un tourisme professionnel, qui avait déclenché l'affaire. Pour ce lobby, Airbnb propose des services d'agent immobilier et se trouve donc dans l'illégalité car il ne possède pas de licence professionnelle. La justice européenne a donc donné raison au groupe américain qui s'est félicité de cette décision tout en assurant être ouvert à un certain encadrement de son activité. Airbnb reste toutefois dans le viseur des métiers de l'hébergement touristique en France. Un autre lobby hôtelier a assigné le groupe devant le tribunal de commerce pour concurrence déloyale. Le verdict sera rendu courant 2020.